Donc, dernier point que nous avons besoin, puisqu'on a parlé de question de sécurité, nous avons souhaité ministre justice là. Pour ministre justice, on dit devant l'Assemblée sénateur, est-ce que le commissaire gouvernement dans Port-au-Prince? Ou du moins, est-ce que joute mercredi les cendres de 4h du matin jusqu'à 10-11h, est-ce que le commissaire, j'ai le déclé? Monsieur Koné, président, écoutez, permettez. Nous, c'est l'État qui a construit. J'ai été commissaire du gouvernement. Lorsque mon commissaire, j'ai monté un parquet sous parcours carnaval là. Pour les gens qui font des ordres, nous tout jugeons sur le champ. Gagnons un artiste, c'est Tchakout, qui arrive pas tout 2004. Il n'y a pas qu'à continuer pour arriver devant ce temps, président. Il a campé l'heure à arriver. Tchakout, nous n'avons pas eu le premier coup, il a joué maman la police. J'ai été convoqué avec le ministre de la Justice par le président de la République qui dit c'est là pas de l'État. Ça a été fait en Haïti. Mais je dis à le président, c'est pour nous arrêter, monsieur. Président, puisque nous avons une question d'opportunité. Quel président? C'est le président Martelly. C'est même président Martelly, ex-président, non, qui campait sous une masse là, qui a incité Timoun à boire alcool, à l'antisouïde. Même lui-même, non, président, de 7h du matin, 6h du matin, il dit tout le monde accompagne. Moi, je veux qu'on ait président CSPN, non, côté ministre intérieur, non, côté premier ministre, non, côté ministre justice, non, côté directeur général de la police la paix et sous-directeur général de la police de formation sur ça. Merci. Parce que ma prendre, il y a l'autre qui passait pour président, ancien président Martelly, pas sous Kafou, policier Kremio Campé, chat, il y a une formation, t'as un policier USGPN qui poussait policier Kremio Bleu. Je voulais connaître est-ce que vous commandement dans la police là. Et on fait commissaire gouvernement. Est-ce qu'elle te recevra l'autre pour le capable de faire travail? Ça est extrêmement important. Merci. Pour nous, président. Et en plus, il y a deux sénateurs. Merci, sénateur. Qui montent ça, qui ont fait des autres dans le pays. Monsieur le président, est-ce que y a l'État vrai? Est-ce que nous avons fait un pays vrai? Sénateur. Si le pays est vrai, réponse n'a jamais connu. Président. La parole au PM pour la motion de tout à l'heure, s'il vous plaît. Président, je qui parle de ça, je parle de moi là pour me dire. Moi, noté aussi, s'il vous plaît. Oui, non. Monsieur Mna. C'est depuis le dernier jour, je vais vous dire passé. La question précise du ministre de la Justice. Zogigi. Vous êtes le commissaire. S'il vous plaît, merci. Zogigi à 8h du matin. Le soldat avec vous. Non, 8h du matin. L'autre a dit Zogigi. Où t'es là avec vous? Non, 4h. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Le premier ministre a la parole, s'il vous plaît. La majorité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sénateur. Président. La majorité de gaz. Quand même. Mais on va agresser. S'il vous plaît. Quand même. Vous agressez là, hein? Le PM a la parole, s'il vous plaît. Là, 2007. Merci, micro pour le PM, s'il vous plaît. Juste une petite précision concernant le déplacement des ministres. Selon un circulaire du Premier ministre, tout ministre qui doit voyager à l'étranger doit notifier nous. Déplacement yo 10 jours à l'avance. Et nous très fermes sous application circulaire ça. Maintenant, on ministre gen doit gon urgence. Li gen doit gon urgence que le pas gen temps ou bien pas capable rentrer en contact avec premier ministre. De mémoire, pas quoi ça fait peut-être était qu'a fait une fois. Mais à ce moment ministre, il est toujours contacté premier ministre
pour le cas dire ça, et généralement ce sont des déplacements qui pas excédé 24 heures. Mais pour tout déplacement que un ministre gagne pour le faire à l'étranger, 10 jours à l'avance, faut le notifier premier ministre dans ça. Merci. Merci. La parole maintenant n'a précisé pour l'Assemblée sénatoriale que grand ensemble de sénateurs qui inscrit là. Et dans l'ordre d'inscription, on a baillé la parole comme ça. Et après chaque trois interventions de sénateurs, eh bien, CSPN, non, même CSPN n'a pas mesure pour répondre. Nous avons sous liste le premier groupe, sénateur Naoum Marcellus, sénateur Larès, sénateur Dumont. Le deuxième groupe, sénateur Kidler, sénateur Cantave, sénateur Francenet. Le troisième groupe, sénateur Sorel, sénateur Latortue, sénateur Cadeau. Et le quatrième groupe, sénateur Gracia Delva et le sénateur Willow. Sénateur Naoum, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les honorables membres du bureau, les collègues de l'Assemblée, Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre intérieur, le chef de la police, le secrétaire d'État ainsi que le commissaire du gouvernement. Et président Mtaïmé, Mtaïmé m'a DPM non et pour plus ou moins ben mon explication sur mécanisme qu'ils ont mis en place pour question de machin yo. Parce que chaque année, ou bien chaque le, l'État font pas en avant pour garantir la stabilité du pays, a, toujours gain de cas d'incendie, et spécialement ces marchés publics qui ont visé. Parce que le marché public, c'est une société. A. Donc, toujours un mécanisme que l'ennemi démocratie ou l'ennemi changement met en place pour que yo détourne l'attention. Soit pour. Hervé Foucan, c'est moi qui ai parlé. Sénateur Foucan. Parce que depuis l'année dernière, moi estime que il y a une prise en charge qui est faite par l'État pour garantir la stabilité politique du pays. Parce que pas un pays qui a développé son pas une stabilité politique. Économie ou pas marché, système de santé ou pas fonctionnel, même la police, la justice, tout ça n'a pas l'air, pas fonctionner bien si que l'État qui a levier politique pas garanti sérénité et la paix pour qu'il y ait une stabilité politique. Là. Donc, moi-même, j'étais très fâché de faire ce temps lorsque que moi apprendre que le marché a boulé. Et marché à sous-marché qui a un aspect historique, où la ville du Cap-Haïtien est même marché Hippolyte là. Et moi-même, j'ai fait des marches auprès de M. Martin Boudjissel pour voir comment que tu as mis main dans le marché Hippolyte Cap-Haïtien. Je dis à qui nettement délabré, qui coulait, qui a une salubrité extrême, côté que ti machin yo pa vivre là dans même toilette tout pa gen. Donc Amérique Cap-Haïtien qui c'est deuxième ville Cap-Haïtien identifier quantité machin qui sinistre tout mauvais parce que dans le temps les marchés ça roulait quand il y a des monde qui fait passer pour machin et vrai machin yo qui censé décapitaliser pas jamais des possibilités pour joindre ti grab dans l'état baïwa. Un, est-ce que nous a identifié machin yo qui victime personnellement tout bon vrai? Deuxièmement, qui plan de recapitalisation que nous gagnons pour yo pour permettre que nos temps qui pas trop long yo joigne ces subventions l'État parce que m'a dit nous clair que nous va savoir que en pile dans machin yo c'est coupon à quel point c'est dans acte au prêté corde c'est dans soje solier c'est dans une toute banque toute Mais c'est clair que sénateur Sorel pas s'il vous plaît. Merci président. Sénateur Sorel, au fond à règlement. On pas demander la parole au prendre.
Mais la... Oui. Mais, ouais, nous t'ai accordé aux motions déjà, ou t'es fini motion. Maintenant, la parole au sénateur. Président, Naoum. Président, nous avons demandé au sénateur Sorel. Oui. Sénateur Naoum. Merci. On ne peut pas adresser au sénateur Sorel. Merci. On ne peut pas adresser aux membres du CSPN. Merci, président. Nous avons fait le sénateur Sorel suspendre par le président. Oui, donc, président, même pas. Président Sorel, le 17 août, il fait l'école pour espérer que je vais parler sur vous. Ok. Il fait l'école Jérémy, je vais évoquer l'école 17 août Jérémy. Ok. Et ceci, président, monsieur, je vais terminer la parole. Monsieur, ou bien une deuxième motion, quoi. Deuxième motion, monsieur le président. Ok. Ah. De même sénateur pour une deuxième motion. Non, les mandés ont deuxième motion. Merci. Sénateur Kedler, lorsque sénateur Sorel t'a sollicité première motion, déballé motion. Il t'a choisi lui-même délibérément pour prendre la parole, de faire un rappel à l'ordre pour me dire et que il prend la parole sans que il pas sollicité le bureau et bureau pas t'accorder. Maintenant, il a sollicité une deuxième motion d'ordre et c'est réglementaire. La deuxième motion est accordée au sénateur Sorel. Chers collègues, monsieur le président, nous invités premier ministre, nous invités directeur général de police là, nous invités CSPN pour nous parler de sécurité pays. Parlons l'un pour l'autre, mandat pour un seul sénat en tant que sénateur. Voilà donc dans quelle situation que nous sommes. C'est hier, oui. Déjà la police a envoyé COP by direction des pompiers pour ranger une grande machine. Jusqu'à présent, ils vont ranger là. C'est-à-dire, moi-même, je me connais, COP qui investit, pas oublié dans le budget république là, après TPTC, agriculture, je pense que la police, alors ministère de la justice en général, à travers la police, c'est une institution qui a un gros lot dans le budget république là. Imaginons une institution comme ça, pas un grand camion pompier. Je me connais pour premier ministre, comme président CSPN, ben nous avons une explication claire sous question ça, comment faire que la police pas un camion pompier. Pendant qu'on a investi 186 millions de gouttes dans le carnaval. Pendant ce temps, même carnaval, ça, n'importe incident qui a passé. Deuxième question, président. Alors, mes directeurs généraux de la police, ça là. Directeur. Gracia. Président, font-il rappel à vous. Continuez. Sénateur Gracia, s'il vous plaît. Oui. D'ailleurs, mais qu'on est comme directeur général de la police, ça là. Directeur général. Et comment faire que par un grand camion pompier qui est opérationnel dans l'institution, ça, la police des pompiers, gain personnel, nous toujours attendons tout ça qu'on a besoin dans la police, là, c'est l'ambassade américaine pour qu'il y ait une grande batterie, un grand caoutchouc. Nous avons tout profité, demandé au directeur général de la police, là, pour qu'il ait support ça, support technique ça, la police nationale va répondre à eux-mêmes. Pour ces ambassades américaines pour qu'ils baillent caoutchouc pour machine, pour qu'ils baillent batterie pour machine. Et nous parlons de graines pour camions pompiers. Deuxième question, c'est sénateur Seguin parlé sous lui, c'est sous question lettre que mini justice lui-même a adressé à la commission justice et sécurité. Ça qui est arrivé, premier ministre là, et mini justice en bail, premier ministre en parole. Même tu as souhaité que, comme président, tu prends acte de ça. Commission justice en statué sur question ça pour nous connaître qui est-ce qui va menti devant l'Assemblée des sénateurs. Comme président, prend acte de ça et tu as souhaité qu'il y ait un suivi qui fait dans le dossier ça. Troisième question, président, c'est concernant qui disposition CSPN apprend. Sénateur Larèche, une seconde, s'il vous plaît. Il semble qu'il y a un intrus parmi les sénateurs. Parce que les chaises assignées aux sénateurs sont strictement réservées aux sénateurs. Et c'est sacré, député. C'est pour les sénateurs.
merci bien. Comme ancien député, tu le sais aussi. Uniquement réservé aux sénateurs. Et c'est sacré. Merci. Continuez, sénateur. Oui, madame, je connais que qui disposition que y a prend pour un incident pareil pas arriver. Parce que je ne vais pas aller fondamentalement, Jean sénateur Naoun avancé. Même si il faut qu'il y ait des dispositions qui prend. À chaque fois, chaque période, je pense que il y a une mouvance politique qui va avancer dans le pays. Il y a toujours un. Pas qu'à dire main criminel, mais on main criminel. Mais incident ça a toujours produit et c'est classe défavorisée qui est toujours victime. Ti marchand yo, moun ki pi pov yo, qui constitue épine dorsale société, moun ki prend cob nan fond causé nan caisse populaire, c'est moun ça qui toujours victime. Nous souhaitons que gagne des mesures de redressement sévères qui prennent dans ce sens ça. Ça pas qu'à continuer comme ça chaque fois, c'est ti marchand yo qui victime de marché qui boulé. Président, je souhaite que vous preniez des mesures. Et mesures, ce n'est pas comme si pour chaque fois vous prenez des mesures pour arrêter les gens pour dire c'est persécution politique. Je souhaite que vous preniez des dispositions vraiment nécessaires. Parce que les gens ne peuvent pas arrêter les victimes comme ça. Question d'impunité, hein, président, il faut les résoudre. On n'est pas qu'à finir pour marcher, finir brûler le marché. Et puis, question arrêter comme ça. Impunité à régner. Il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent. Comme commissaire gouvernement, là, je souhaite. Profiter de l'espace ça pour demander qui disposition au point, combien de monde a arrêté, qui ça qui fait déjà, combien de monde a interpellé dans la question ça, parce que faut qu'il y ait des gens qui ont marié dans la question ça. Il n'y a pas arrêté tout le temps. Chaque fois, il y a boule marché et puis que l'impunité a valé le terrain. Merci, président. Merci bien. La parole maintenant au sénateur Dumont. Merci beaucoup, président. Président, membre du bureau, je ne connais pas si il y a un communiqué qui te fait connaître que il y a un responsable de marché qui a démission, par exemple. Est-ce que le secrétaire d'État de la sécurité publique a démission? Est-ce que le chef de la police a démission? Est-ce que le ministre de l'Intérieur a démission? Est-ce que le premier ministre a démission? Je ne sais pas qui s'est passé entre le ministre de la Justice là et le commissaire Damaeus. Le commissaire Damaeus a écrit lettre de démission. On lui a demandé de retourner sur sa décision. Il est retourné sur sa décision. Mais il était bail démission, sans doute c'est parce que le combat était grave. Pays a pris deux différents majeurs. Et puis on dirait pas que monde qui est responsable. Il n'y a pas de civilisation sans sanction. Je répète, il n'y a pas de civilisation sans sanction. Nous pas des sauvages qui la gagnent en jungle Amazonie. Nous sommes des gens qui se sont donné une civilisation. Nous sommes dans une civilisation. Guillaume Bagay que trois docteurs qui dans salle là connaît plus que tout le monde connaît. Docteur Cantab, je le cite d'abord parce que je cite son nom d'abord parce que c'est un collègue. Ensuite, le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, et Madame Gina Joachim. Aidez-moi. Je ne savais pas que le ministre de l'Intérieur était médecin. Non, docteur. Docteur Gillot ne fait pas partie du cadre de travail. Docteur Gillot, secrétaire général, que je connais avec le docteur depuis longtemps, vous tout connaît donc que prévenir vaut mieux que guérir. Heureusement que chef de la police là baille deux, trois éléments qui t'a assemblé avec prévention. Mais. Mes amis, on sauve le pays. L'aime dit on sauve le pays, m'a parlé de terre. L'aime dit on sauve le pays, m'a parlé de monde qui a vécu dans le pays. Gon paquet de sous qui baille du feu. Gon paquet de monde qui tend des paroles là déjà. Soucieux, sans doute, il y a pile de monde dans la salle là qui connaît au passé.
parce que ou bien c'est eux même qui ban moi yo ou bien c'est monde qui semblait avec eux, ça veut dire qui dans même métier avec eux, même activité avec eux qui ban moi yo. Drug dealer mettait du feu dans marché yo tout. Gen youn ki la pou le serrel. Et puis il prend li, après ça le mettait du feu là-dedans et puis il fait connait c'est du feu qui prend. C'est dans du feu ya marchandise là que t'es serré ya. Faut que courage pour nous affronter va pour nous pays ici. Qui parole de yo t'a soudé dans marché ya. C'est dire que t'es marché que t'es monde soudé dans marché. Ça t'a soudé ya. Faut que c'est bois pour t'a soudé vrai. C'est ça nous la négligence là. On t'en entendait et tel ouvre une pompe gasoline, l'on paraît, ou un paquet de galon, et puis monsieur Gombagay, l'on vend gasoline. Ah, c'est ça que sécurité publique là. Moun qui directeur sécurité publique là, qui secrétaire sécurité publique là. Mais qui j'en pour sécurité publique là? Comment nous faire parler de sécurité publique? Quelle responsabilité nous y est là? Gen gang qui met marché yo. Dis fait prendre quoi au sale? Yo identifié gang yo parce que gon gang qui bat de l'autre gang et puis le chef et puis de l'autre yo met du feu jusqu'à ce que gon l'autre qui bat gang qui dégage jodi a lui même li pral en déroute la met du feu dans tout pali. Nous connais ça gon bagay yo le courage mes amis, faut gen courage. Si m'ta parler français m'ta dit ayons des couilles. Le courage, c'est la capacité d'affronter la mort. C'est pas courir pour nous courir. C'est pas cacher pour nous cacher. Nous faisons payer à tout le monde bagaille. L'homme qui travaille dans l'État, il y a deux rendez-vous. Chaque jour, il y a un rendez-vous pour le brasser. Et puis, on l'autre jour pour le toucher l'argent seulement. Pas qu'il travaille. Les sorties de bien, elles descendent en bas. De quel pays parlons-nous? Nous parlons de notre pays. Haïti, c'est gros pays lié, nous ne pouvons pas jouer avec elle. N'est qu'à faire politique, mais de différents dans la marché autour. Gouvernement qu'on mette, il propose, c'est opposition. Opposition mette, pour le faire terroriste même, pour le montrer que rien n'est pas fait dans le pays. Faut qu'il y ait courage pour affronter tout le monde ça. Et c'est ça qui se mène ça. Il n'est pas possible pour le faire pays à tourner en bagaille. C'est quoi cette histoire? Ma chère, yon tout mette du feu dans ma chère. Parce que là, yon perdu comme. Yon pas qui comme pour yon payer encore. Yon, mette du feu. Qui j'en pour ça va faire? C'est gonflé pour nous gonfler, vien nous. Chef la police. Chef la police. Ou son garçon, garçon. Gonflé, vien nous. Ou pas qu'à venir ici, là. Guinek qui ouais. Nèg qui te kidnappé, nèg qui te tué moun, yo sous la croix là, yo c'est sécurité. Oui, c'est mes deal. Et me pas deal parce que me te connais yo. Moi deal parce que nous connais moun fait comme ça et puis va qu'elle continuer. C'est de Haïti n'a parlé. C'est de Haïti n'a parlé. C'est bon jouet lié. C'est bon jouet lié. Jouette là pas qu'à faire comme ça. Son jouette sérieux lié. Diffé, premier marché dans le pays. Tant par l'infrastructure que par le mouvement de capitaux qui se fait. Deuxième nous prend. Et puis, nous venons là, n'a pas les deux. Oui, nous pouvons faire formation à la police. Nous pas dit non. Qui ça qui fait tout bon vrai? Ça, c'est la sénateur qui se dit. Hein? Pour que les gens ne croient pas du tout. Les autres ont des paroles que tu fais, les organes, que tu fais des télévisions nationales. Il n'y a pas de guerre pour que tu dis non. On connaît que gros mesure prend. Bah, quoi ça va faire? Maintenant, ça fait tout le travail, ça ne va pas faire. Ça fait, policiers n'ont pas qu'à toucher. Policiers n'ont pas qu'à toucher parce que
Ça, Jovenel Moïse, président pays a dit hier, c'est lui-même qui continue à plonger pays. Hein? Et corruption, 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 corruption. Il n'y a pas qu'à une copie pour payer, pipi, tu es vrai. Il n'y a pas qu'à une copie pour faire marcher normal, vrai. Monsieur Fonge, pitié pour payer. Alors, comment on a fait une copie? Puisque le Premier ministre est d'accord, un directeur service autonome de l'État, bah, tête li, salaire 15 000 dollars américains, dans qui pays? Comment? Dans qui condition pour un homme? Monsieur le Président. Motion accordée. Président. Mais vraiment une motion. Moi, je pense que c'est un monsieur qui a venu me parler. Mais, sénateur, dis-moi, petit bagage là qui est important. Moi-même, pendant la petite là, m'a passé en bas j'aime. Une déclaration, directeur général de la police l'a fait, qui est passé dans le journal Le Nouvelliste 26 janvier. Côté moi là-dedans, directeur général de la police l'a dit, gagné 50 millions de gourdes, chèque zombie, qu'elle arrivait récupérer le travail de contrôle en la police. Là. Mais que sous ça, malheureusement, elle est là pour qu'on lit. Moi, ministre de l'Éducation nationale l'a dit, il y a 122 millions de gourdes. Chaque zombie qu'elle joigne est là, nous sommes 29 janvier 2018. Mais le sénateur a fait annoncer là, il dit, gagné directeur organisme autonome de l'État qui baille tête au salaire de 15 000 dollars américains par mois. Nous avons le président, c'est pas un nom. Moi-même, de déclaration sénateur Dumont-Fer, à charge par nous, en tant que contrôleur, pour nous chercher qu'on est qui directeur général, qui côté, et pour qui ça, c'est lui qui va être tête li, 15 000 dollars américains par mois. M'a dit acte de sa président, à quel fait que de droit. Allez-y, sénateur. Président, ici à son assemblée liée, son sénateur qui dit, même bien qu'on est non directeur général ça. Sénateur Dumont, dans même assemblée. Parle de courage. Qui t'a parlé de courage? Preuve, camarade. Assemblée à pour payer à connaître tout. Directeur général ça qui a dilapidé, qu'est-ce l'État? Oui, c'est pour Dumont, dit président. Oui. Merci. Merci, sénateur. Sénateur Dumont. Moi, je dis yo, je ne dis pas youn. Bon, oui, c'est et un... c'est ici, hein. Nous avons des couilles. C'est, oui, il nous faut des couilles. Oui. C'est ici, hein. Moi, je te dis, Premier ministre, là, quel est le salaire des directeurs des entreprises autonomes? Il dit, il n'y a pas qu'on est. Il dit pas qu'on est. Sans doute il pas qu'on est toujours. Mabdil. Deuxièmement, ce jour-là, le ministre des Finances était présent. Ils ont reconnu que c'est un désordre. Parce que ça rapportait. Ils ont tout ensemble. AAN, ONA, BNC, etc. Ils ont tout ensemble. L'État espérait de eux seulement 584 millions de gouttes pour l'exercice qu'a fait là. Ça qui baille seulement à peu près 8 à 10 millions de dollars américains. Mes amis, nous ne pouvons pas privatiser l'État comme ça. C'est pas premier bagaille, premier bagaille qui est grave là, c'est que le président pays, le premier ministre pays, les ministres de ce pays acceptent que un directeur entreprise autonome baille tête les salaires. C'est nous-mêmes ici, comme nous qui sommes devant le peuple, qui va être nos salaires. Non, le pas qu'à faire comme ça. Le pays d'Haïti mérite un État. Le directeur de Faïs gagne 15 000 dollars américains. Je ne pas songer chaque en particulier. Tout l'autre, c'est 12 000 dollars américains. Nous-mêmes, président Sénat, on touche 12 000 dollars américains. On voulait pas le deuxième personnage public de l'État. 80 000 gouttes. Oui! De quoi parlons-nous? Alors, comme ça, peuple a toujours mangé la boue. Comme ça, peuple a toujours mangé roche. Comme ça, business, peuple a toujours pris du feu.
comme ça, le peuple a toujours été au Chili, comme ça, il a toujours été internet. Et puis, on se calme dans nous, à saluer, à premier, à visiter l'autre bord. Bon. Monsieur le Premier ministre, monsieur le chef de la police, monsieur le responsable de la sécurité publique, mais nous qui l'autre tout, nous qui subvention. Bon, nous qui subvention, nous pas plus mal. Oui, et puis nous avons un rapport. Non. Oui, oui, nous qui chauffeur. Maintenant. Voilà. Et bien parce que vous connaissez nous. Le sénateur Dumont, sénateur Dumont, continuez avec ton intervention. Et j'allais demander pour finir. Il faut finir. J'allais rappeler aux responsables de l'État ici présent, de l'exécutif, de se rappeler de qui ils sont fils. Ils sont fils d'Henri Christophe. Ils sont fils de Pétion, ils sont fils de Dessalines. Ils n'ont pas le droit d'abdiquer. Il n'y a pas qui doit prendre responsabilité et qui ne peut pas réponse. Merci en pile. Merci. La réponse, la parole maintenant au CSPN. Merci. S'il joue. Merci. Honorable président du Sénat. En ce qui concerne mécanisme, c'est question honorable sénateur Naoum Marcellus. En ce qui concerne explication sur mécanisme de prise en charge des marchandes, on croit que nous répondons déjà à la question ça, même Mabba nous a une précision. Un comité interministériel qui mettait sous pied le jour même de l'incendie. Hein? Comité ça, lui formé de ministre commerce, ministre intérieur, ministre conditions féminines et ministre affaires sociales. Mécanisme, méthodologie, c'est d'abord inventorier, n'est-ce pas vrai, toute machine qui sinistre. Machin en dedans d'abord, et puis évaluer ça qui dure après. Et le premier temps, on a une subvention que nous avons toute machin. Parce que machin, c'est sinistré. Mais dans le deuxième temps, nous allons pencher sur le dossier yo, au cas par cas. Parce que chaque machin a une réalité par yo. Et à ce moment, au niveau de l'État, nous allons regarder le mécanisme pour nous voir qui aller de subvention jusqu'à prêt que nous avons fait machin ça rejoindre à un taux préférentiel. Ça, le taux préférentiel là, qui aller jusqu'à 0%. Ça, c'est le premier bagage et premier et aspect de la question. Ça que vous posez. En ce qui concerne mes politiques, moi-même, je ne peux pas aventurer sous terrain ça. Comme je dis, en ce qui concerne ma chéguerite, jusqu'à preuve du contraire, origine accidentelle, mais en ce qui concerne marché en fer là, enquête dans l'ouvri, j'en te dis depuis dans l'introduction, nous pas écarté aucune possibilité, d'accord? Nous pas écarté rien, c'est-à-dire li ouvert, et c'est à la fin d'enquête, nan, laissa n'a pas capable de répondre à la question ça que vous posez. En ce qui concerne renseignement, je crois que depuis notre déclaration politique générale, nous avons parlé de services de renseignement. Et il y a des honorables parlementaires
qui t'a même posé question, est-ce que c'est pas un SD nous va le mettre, est-ce que c'est pas un service de renseignement politique que nous va le mettre. Mais faut me dire nous que réflexion a continué et nous pour aller, n'est-ce pas vrai, présenter à illustre assemblée en proposition de loi concernant service de renseignement. Mais n'a d'accord avec nous, faut nous prendre temps nous pour nous mettre pour une société en un bon outil. Mais cependant, entre-temps, si il y a un certain état sécuritaire dans le pays, si que nous sommes passés en belle fête de décembre sans que pas de problème, malgré que les ouvriers du chaos ont fait tout ce possible pour mettre un problème dans le pays, si que nous sommes passés au carnaval, côté que nous n'avons pas au moins la donne dans le carnaval pour Port-au-Prince, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est la rencontre inconditionnée de plusieurs séries causales parfaitement conditionnées. En ce qui concerne PDM pour policiers, ça m'a quitté DG en répondant à une question ça, PDM pendant le carnaval. En ce qui concerne question honorable sénateur Larèche, en rapport avec police des pompiers, réparation véhicule pompier, m'a rappelé nous que historiquement, la plupart de camions pompiers que nous gagnons qui en fonctionnement au niveau de la République, ce sont des camions pompiers usagers, oui. La plupart d'entre eux, la plupart, je crois que vous êtes au courant, tout sénateur. La plupart, je reprends. Et un camion pompier qui est usager, qui sorti en service dans un pays étranger, même j'ai avec une ambulance usagée qui sortit dans un pays étranger, il n'a pas marché bien ici. Ça, c'est une réalité. Cependant, ça que m'kadzou que au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, nous sommes en train de prendre des dispositions pour nous doter toutes les villes moyennes du pays et les grandes villes du pays d'un système de pompiers. Et comme je te dis tantôt, nous allons utiliser des engins qui sont plus appropriés à l'environnement. Nous. Côté que nous allons utiliser des camions, double cabine, et qui parlent d'un réservoir d'eau là-dedans, qui parlent d'un tout pompe là-dedans, etc. Et camion ça, on n'a pas joué une pièce pour eux en Haïti, n'a pas fait entretien camion ça au mieux que gros engin que nous gagnons qui sorti dans pays étranger qui est plus spécifique pour pays côté gain des gratte-ciel. Mais cependant n'a gagné quand même pour Port-au-Prince, j'aime te dire tout à l'heure, un certain nombre de camions pompiers pour gros immeubles que nous gagnons parce que Port-au-Prince son ville cap moderniser, nous est que l'État a bail le temps au niveau de cité administrative, non? Et qu'on y a, le que nous fin asphalter, nous fin mettre de l'eau potable, nous mettez énergie 24 sur 24 au niveau de Port-au-Prince et au niveau des grandes villes, investisseurs, y a venu suivre exemple l'État, laisse ça n'abjoint de building comme ça dans Port-au-Prince, côté que n'abgon l'autre Port-au-Prince, non avenir qui pas trop lointain. Donc, je crois que je tout réponds à la question que l'ambassadeur a dit, que l'honorable sénateur Larèche dit en ce qui concerne l'ambassade américaine qui compte dans nos bagailles. À l'instar des équipements de CNE que nous réparons, à l'instar de montage financier que nous faisons, côté que pays en doté maintenant de mat d'équipement lourd pour, n'est-ce pas vrai, que
ministère des travaux publics pas l'utiliser, que ministère de l'agriculture gagne pour l'utiliser, que ministère de l'environnement gagne pour l'utiliser, sans que nous pas utiliser un goutte de l'étranger, nous pas faire même bagaille tout pour pompiers. Et ma mesure pour me dire ça aujourd'hui, hein, que nous gagne 58 camions compressifs qui pourraient ramasser Fatra. Parce que un grand camion compressif l'a fait 4 voyages en l'autre camion normal qu'a fait pour ramasser Fatra. Toutes les grandes villes de la République, il y a pas doté de camions compressifs et nous pourrons mettre sous pied un système en collaboration avec les mairies côté que affaire de Fatra, c'est à un mauvais souvenir que l'a pillé en Haïti. Disposition pour éviter des incidents pareils. Nous pas utiliser les erreurs du passé pour nous mieux projeter nous dans l'avenir. Bien sûr, nous avons tout élément enquête qui va venir, qui va venir jeune nous. Et tout élément ça va permettre nous-mêmes pour nous capables au niveau de l'État, pour nous capables mieux faire prévention en ce qui concerne les cas d'incendie en général et incendie de marché en particulier. En ce qui concerne l'intervention sénateur Dumont, les plus parlés, les plus partager opinion, mais seul bagay que m'ta capable dire, que m'ta ka rassurer li, c'est que une nan grande priorité que nous gagnons en tant que premier ministre de la République d'Haïti qui disposait de l'administration publique, c'est la réforme de l'État. Et réforme de l'État, elle passe par la loi d'abord. C'est ainsi que très prochainement, nous allons déposer dans le Parlement, après approbation au niveau du Conseil des ministres, de deux textes de loi qui allons réviser le texte de loi de 2005 sur l'organisation et le fonctionnement de l'État. Côté que loi ça a été grand pile lacune là-dedans, nous reprenons. Et nous allons présenter la loi, ça va permettre que nous mieux, n'est-ce pas vrai, disposer de l'administration de l'État. Et ça, c'est le premier bagage. Mais il faut me dire tout que déjà, nous travaillons sous loi organique chaque ministère. Loi organiste des organismes autonomes et déconcentrés de l'État. Côté que grand pile organisme autonome de l'État qui pas un conseil d'administration pour contrôler qui ça a fait. Donc nous-mêmes, nous allons travailler sur ça, nous allons doter tout organisme autonome de l'État ça a, de conseil d'administration. Et si par hasard, bien sûr, il y a des rumeurs aussi que tu as des dérives côté que ou tu as des salaires faramineux, à ce moment, n'est-ce pas vrai, avec mécanisme que nous allons mettre sous pied grâce à collaboration parlement, n'a pas capable de contrôler le problème ça. Mais entre temps, ce que j'aimerais quand même signaler et aux illustres parlementaires ici présents ce soir, c'est que au niveau de l'administration, nous prenons des mesures qui étaient des mesures qui courageuses, côté que nous voyons circulaire by tout ministre côté que nous disons pour ne pas aller dans la logique by contrat au niveau de l'État. Nous te ouais, par exemple au niveau de l'administration, on va parler des organismes autonomes, côté gain des directeurs qui te gain des salaires qui étaient élevés, côté que nous gagnons des cadres qui te gain des salaires qui étaient élevés. Maintenant nous régulariser la plupart de ces dossiers, côté que contrat yo converti en nomination. Et nomination ça yo y aller dans cadre échelle de salaire que nous gagnons au niveau de l'administration publique. Kounia nous gagnons en uniformisation que nous fait la PCI gagne au niveau de fonction publique en général,
côté que par exemple un chauffeur qui est dans le ministère des finances a touché même cob que un chauffeur qui est dans le ministère conditions féminines par exemple. Donc c'est pour me dire que nous très concernés par rapport à problème ça et en tant que responsable n'a pas la porter des résultats et nous commencer déjà à porter des résultats à problème ça. La corruption, moi pas éterniser sur ça. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui parlons de corruption d'abord et c'est nous-mêmes qui commençons à agir contre la corruption. Moi pas parler des exemples, mais m'a seulement référer nous à des circulaires que nous-mêmes que nous fait sortir. Président, motion accordée. Président, mais vraiment une motion. Président, moi mes PM moi hein. Et m'pa vle PM moi hein, comme si a prend mauvais route devant nous. PM nous dit c'est yo qui parler de corruption et c'est ça m'tendant pile autorité a répété. Bataille contre corruption pas une bataille nationale, li internationale. C'est non sens bataille internationale là que tout le monde a parlé de corruption aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, PM n'a pas gagné fort à faire. Mais moi-même, comme parlementaire, m'a tenu PM à l'œuvre. Moi, j'ai des présidents qui disent qu'il a combattu la corruption. Mais m'a tenu à l'œuvre. Par exemple, nous avons dit là, premier ministre, directeur général de police, il a récupéré 50 millions de goudes. Jusqu'à présent, moi-même qui suis sénateur de la République. On pas attendre à aller ton grain de marin gouin. Non, monde qui te comprend chèque ça, qui endosse le, qui a la banque, qui change le, qui met le dans poche li, qui a acheté bien avec elle. Et c'est même bagarre là dans le ministère de l'éducation nationale. C'est même bagarre dans le ministère intérieur. C'est même bagarre là dans question, nos questions et kit scolaire que ont demandé pour évoquer ministre et du affaires sociales Bellevue, affaires sociales là. Pourquoi il y a des gens qui ont arrêté nos questions de lutte contre la corruption? Et m'ta remis, puisque PM n'a pas volonté et président n'a volonté, au moins pour nous commencer à montrer que les gens qui ont 50 millions de gouttes, c'est baptisant mime, c'est baptisant million, c'est baptisant mime, qui ont pouvoir dans le pays. Au moins pour tout le monde égal devant la loi. Mais si nous mettons nos bouches, nous disons pas là comme ça. Et puis, je ne sais pas où est le commissaire gouvernement pour le président qui a passé le code dans Pierre Mounio. Président, merci. Pensez-nous à l'oral. Merci beaucoup. Deuxième motion, deuxième et dernière motion, accordée au sénateur Gracia Delva. Merci, président. Comme ministre intérieur, là, est-ce que la question qui t'a fait bruit dans question chèque du ministère de l'Intérieur, comment ça a été? Je ne sais pas si parler de corruption. Est-ce que, au cas de ce classement, vous nous. Pour payer et n'a parlé de corruption, est-ce que quelqu'un a arrêté et qui j'ai ça dans l'intérieur? Non, bah, ah, pas bien. Non, pas dit grand raison. La parole au corruption. Encore au CSPN. Pas dit rien. La parole au CSPN. Pour le bon mot de classement, n'a oublié que tu as fait un chèque qui est dans l'intérieur. Est-ce qu'il y a un travail qui fait? Nous avons compris, commissaire. S'il vous plaît, sénateur, la question est adressée aux membres du CSPN. Le sénateur Senatus ne peut pas se substituer aux membres du CSPN. Ministre intérieur. Vous avez la parole, monsieur le ministre intérieur. Merci. Je vais terminer avec mon intervention et puis avec l'autorisation du président du bureau, je passerai le microphone au ministre de l'Intérieur pour répondre aux questions de l'honorable sénateur. Allô. Très bien. Pour me terminer avec corruption, c'est pas objet de rencontre après-midi. Même
moi en mesure pour me dire que nous-mêmes au niveau du gouvernement nous fait plus prévention pour m'aller dans le sens sénateur que nous agir en aval, nous agir en amont. Mais pendant nous agir en amont, nous agir en aval tout, oui. Parce que nous avons environ 27 personnes qui sont en prison actuellement. Et tout le monde, leur beaucoup juger, c'est innocent que vous avez. Nous connaissons des juristes dans la salle là. Donc c'est, nous considérons comme innocent et la justice apprend nous blanc ou noir. Mais en ce qui concerne prévention, non seulement un chèque zombie que nous joignons au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Santé publique, au niveau de la police, et nous prenons continuer d'ailleurs parce que le système n'a pas vu tellement informatisé, pas de chance pour qu'il y ait duplication de chèques au niveau de l'administration publique encore. En décembre, par exemple, nous prenons des mesures qui te paraissent très impopulaires. Question de cadeaux, question de panier, question de dinde. Et bien, deux, trois pressions, on va recevoir. Mais l'État fait pile économique au ça. Parce que chaque bail, parfois supérieur à $200 américains, c'est cob qui sortit dans le trésor public et qui allait dans la poche anti-minorité. Ma mesure pour me dire nous que je fais signer une lettre circulaire, par exemple, pour les kits scolaires. Côté que je dis que ça, que kits scolaires, ils n'ont pas qu'à dépasser en valeur qui équivalent en goudes, je crois que c'est 1200 et quelques goudes, par kit scolaire. Ça qui vient faire environ $19 américains. Donc c'est pour vous dire que je demande tout ministère qui est concerné, pour qu'à lancer marché, pour lancer le commande de Picounia, et moi bayo au niveau pour kit scolaire yo. Et moi qu'a dit nous que président, pour kit scolaire yo, commission comme même commission. Même commission justice, la président. Commission. La commission. Alors bon prétexte ça. Merci, oui. Même commission justice. Merci président. Oui, effectivement, je suis membre de la commission. Et président, je voulais faire le Premier ministre comprendre. Question corruption, son crime trans, il fait partie des crimes transnationaux organisés. Ce n'est pas un bagage que nous-mêmes, ou soit ou même, ou inventé. C'est nous-mêmes pour qui mettez cette société en même pour qui lutter contre la corruption. Surfacturation, président, c'est un cas de corruption lié. Je ne peux pas comprendre comment le Premier ministre parle de. Moun kap ti panier qui coûtait $200 américains ou gen kasa yo pour pas faire marre yo. Or loi sous corruption même li clairement li défini surfacturation son cas de corruption avéré en d'administration publique là faut que vous posez des actions président et PM parce que ça c'est inacceptable parce que faut que ou même comme premier ministre ou gon responsabilité morale et politique devant nous-mêmes comme sénateurs et devant la communauté internationale que nous-mêmes nous signons, nous ratifions, nous-mêmes au niveau du Parlement, nous votons, nous disons lutter contre la corruption, contre le blanchiment d'argent. Et puis, où il y a des cas comme ça, des cas flagrants comme ça, où était comme ça, au niveau de l'éducation nationale, au niveau du ministère des Affaires sociales, ministre Bellevue, il a révoqué lui pour cas de corruption et sous question sur facturation. Et puis, pas de monde qui marre. Jusqu'à présent, encore, il n'y a pas rien qui fait. Non, question de corruption, président. Si nous disons 5 fois, président a lutté contre la corruption, 5 fois, si il y a 5 mal qui empêchent le pays à développer, c'est cas de corruption. Mes amis, combien de monde a arrêté dans la question ça au niveau de la police nationale d'Haïti? Mes amis, la police qui est là pour lutter, pour marrer le monde, mes amis, combien de monde que la police nationale a arrêté en flagrant délit avec des chèques dans le 50 millions de gouttes, combien de monde qui est en prison? DCPJ, c'est une institution qui est là pour faire des enquêtes. Combien de monde a arrêté des gens d'arrêt, mais qu'on est? Ou dit ça, mais combien de monde qui m'a arrêté? Si nous disons lutter contre la corruption, mes amis, nous là, nous signons des packs.
son crime transnational organisé lié, n'a plus de contre trafic monde, n'a plus de contre la drogue, n'a plus de contre le blanchiment d'argent, tout fait partie des cas de corruption. Surfacturation, son cas avéré lié. C'est une affaire. Sénateur Bélizer, membre de la commission. Non, il n'est pas membre de la commission. Il n'est pas membre de la commission des finances. Non, président. Non, il n'est pas membre de commission, président. Non, il n'est pas membre. La parole revient au CSPJ. La parole revient au CSPN, s'il vous plaît. Je termine pour dire que. Pour dire au sénateur Larèche, je me suis parlé en ce qui concerne les kits en décembre, je parlais de prévention. Je me dis qu'on circulaire que me fait sortir, côté que m'interdit kit, achat de kit au niveau de l'administration publique. Et n'a pas aucun kit qui sorti dans l'administration publique, qui sorti dans l'administration. Ne la ratez pas, c'est la chaîne 145. Non, c'est un... Je peux continuer? Non, je ne vais pas faire échange, mais je vais terminer pour me dire que ça, au niveau de, du pouvoir exécutif, n'après aucun cadeau qui va pour décembre. Parce que, non seulement... Décision ça respecter mesure en rapport avec le train de vie de l'État, mais tu as un abus tout. Mais tu as un abus là-dedans. Et nous passons des instructions. Du tac au tac quand même. Nous passons des instructions par le ministère des Finances. N'après aucun chèque qui sorti dans le ministère des Finances pour le financer de pareilles pratiques. Merci beaucoup pour votre attention. Il n'y a pas une réponse à la question du sénateur Delva, le ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne les cas de corruption enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas qu'être brillant de bien, ça qui passe. Monsieur le Président, membre du bureau, et honorable sénateur, et effectivement, j'en ai tout te connaît, hein, te gain. Alors, m'a rectifié pour honorable sénateur Delva, c'est pas dans le ministère intérieur que tu as gagné problème dans lui-même. Le problème dans lui-même, c'est ton vaste réseau de mafieux qui touchait plusieurs secteurs dans la vie PIA et certainement qui a gagné des ramifications dans le ministère intérieur. Pour l'histoire et la vérité. C'était un groupe bandit, bon, qui était gain des business avec pignon sur rue et qui était impliqué dans affaires faux chèques, faux usage de faux, qui était touché secteur privé, hein, des banques privées, des institutions privées et certainement l'État, nous-mêmes. Et dans le ministère de l'Intérieur. Donc, effectivement, dans le cas particulier du ministère de l'Intérieur, c'était duplication de chèques. Côté, jusqu'à présent, hein, pour l'histoire, hein, si nous voulons, ouais, il y a à disposition nous, bien que correction changée et faite sous compte ça, nous pas utiliser compte ça du tout, un nouveau compte qui changé, alors que l'on a pu utiliser Kounier, pour c'était sous fond de gestion de développement de collectivité territoriale. Côté justement pour des mêmes chèques ça qui étaient attribués à et c'est une allocation que nous avons pour fête patronale dans deux sections communales dans le pays. Et même numéro chèque ça est arrivé sorti à des fins que douteuses que nous toutes nous connaissons. Et ça qui est plus belle là, t'es un troisième chèque qui lui-même, jusqu'à présent, pourquoi utiliser qui l'a qu'à nous, qui pourquoi utiliser, qui dehors et qui est en changé. Donc, non, mais c'est ça lié.
C'est ça lié. Maintenant, effectivement, nous t'es rapidement, automatiquement, pour l'histoire et la vérité, il faut dire que c'est l'équipe administrative MICT qui t'a attiré l'attention et qui t'a alerte là, qui t'a avant ça, de façon officieuse, non, nous pas écrit, et le ministère des Finances pour nous faire part de problème, non. Et ensuite, tu as gagné malheureusement, bon, heureusement, tu as gagné une correspondance ministère des Finances là, qui t'a rendu public. Mais c'est nous-mêmes qui t'a alerte là pour l'histoire et la vérité. Ministère des Finances qui a témoigné de ça. Donc, pour nous faire une histoire longue, coûte, effectivement, il y a au moins, dans 4 ans, au moins une quinzaine de monde, commissaire de gouvernement. Il y a au moins une quinzaine de monde qui arrêté et enquête l'a continué. Il y a pile monde, certainement, qui est à plus de 15 monde qui est sous contrôle de la justice. Il y a des monde qui est concerné, qui est en prend dehors, qui prend qui dans le maquis, et ce que la justice justement a suivi. Très bien. Donc, je dis, pour l'histoire et la vérité, tu as deux ou trois mounes sur 15 mounes qui ont arrêté, qui s'est employé ministère intérieur à collectivité, qui impliqué dans l'affaire ça, et son réseau, j'en dis, son réseau. Un vaste réseau mafieux qui certainement l'implique tout dans la fraude carte de crédit et qui a l'autre bagaille pays que le réseau ça a vraisemblablement impliqué. Donc la justice a continué à faire travail, mais pour l'histoire et la vérité, il y a plus d'une quinzaine de monde qui soulève où dans le cadre histoire Fauchek ça. Merci. Merci beaucoup. On a passé dans le deuxième groupe de sénateurs. Melta m'a noté sénateur Salomon. On a passé dans le deuxième groupe de sénateurs qui était déjà listé. Cependant, on a aimé que nous étions vraiment sur le sujet qui est en débat parce que Timachanio de Yoa, qui victime yo, parents yo, petit yo, tout le monde, etc. Il y a tant vraiment que nous adresser des problèmes qui ont un rapport véritablement à libérer les lettres que la Commission Justice et Sécurité publique a envoyé à nous, ainsi que la Commission Affaires sociales. Là. Sénateur Kedler Augustin maintenant. Ensuite, le sénateur Yuri et le sénateur Kado. Merci, honorable président, membre du bureau. Collègues sénateurs, m'a d'abord salué la présence de membres CSPN dans la séance Capital ZA que nous avons instituée depuis quelque temps au niveau du Sénat de la République. Moi, je dis souvent, président, dans trois fonctions que nous avons comme sénateur, fonction contrôle là, moi je crois que c'est le même qui est plus important pour la société. Fait loi tout aussi important. Mais je dis à Kafou que le pays a est là, nous tellement à toucher problème de manière matérielle que des marches intellectuelles, tant qu'on fait loi, tant qu'on pas les gars à l'arrière-plan, tellement nous avons un problème caille, problème de l'eau, problème courant, problème route, problème manger, problème insécurité que nous avons débattu aujourd'hui. Moi, je félicite le bureau parce que vous avez mis la séance sous pied. Ça qui montrait que le Sénat, qui est composé d'un ensemble de monde qui sont dans la matrice population, qui était voué nous pour nous défendre, par été insouciant à ce qui a passé dans la société, et particulièrement à dernier coup incendie qui a pris un peu partout dans le pays. Je dis à nous qui en face de nous, CSPN, c'est l'opportunité que nous avons pour nous dialoguer avec le gouvernement. Parce que le LTV vient présenter la déclaration politique générale, il était certainement, comme toujours, pour mettre le peuple là, renforcement sécurité. Mais ce n'est pas pour la première fois tout que nous recevons l'autorité Sahola. Moi, nous habitués à recevoir le directeur général de la police là, qui n'a pas jamais raté l'occasion pour faire état de manque de ressources matérielles et financières
pour être capable plus efficace dans le travail que y a fait là. N'a dit directeur général de la police là, nous prenons note de amélioration qui gagne dans l'état sécurité du pays là, si nous tenons compte de statistiques qui habitué gagne yo et nous féliciter pour travail ça. N'a dit ensemble gouvernement tout que nous prenons note tout de promptitude que l'était utilisé pour l'était aller bon côté marchand pour permettre que misère soulagée par la présence seulement de certaines autorités qui montraient que vous concernez. Parce que je crois que nous toutes là qui sortis la majorité dans la classe moyenne, ce n'est pas avec gaieté de cœur nous avons gardé un paquet de gros dames qui t'a crié le jour du feu ça et nous avons senti que c'est l'ombre qui t'a coupé et nous avons pour ça que vous t'a crié. Je dis à moi que vous êtes toujours triste et je pense que c'est en ça, si vous êtes loin, petit jour, il y a tout à chercher en télévision, puis vous venez garder, puis vous connaissez qui s'est capable de dire ce qu'il y a par eux, parce que c'est Vio qui pratiquement a décidé devant, qui était fin aller devant incendie ça. Avant que je commence ces questions au président, permettez-moi, avec un peu de courage, comme l'a si bien dit le sénateur Dumont, moi je pense que faut que la politique fait l'autre gens dans le pays. Il est clair que d'après les autorités, c'était d'origine, on est capable de dire accidentel. Cependant, il est clair que l'autre là, nous ne pouvons pas le fouiller, l'autorité pour devoir aller secret enquête. Il est clair que c'est un incendie criminel, qui c'est une pratique courante dans faire politique dans le pays. Côté que pour résoudre des problèmes politiques, problèmes électoraux, et que c'est la population même qui est toujours victime. Dans ce même élan de courage, moi crois que le pays a toujours identifié les gens qui sont des instigateurs de violence. Ils n'ont pas contre peur, c'est pour les gens qui ont fait cachette. Dans la violence, ils sont des qualités que certains gens ont dans le pays. Ce n'est pas pour les gens qui ont fait cachette, ils sont violents, ils ont crasé, ils ont brisé, ils peuvent dire. Au contraire, ce sont des gens qui ont espéré que depuis le deal, ils ont fait buzz. Et là, il y a pile de monde qui suivent. Sauf que, je ne parle pas de la population qui suivre le plus souvent, si elle a une élection, ouais, c'est 6 votes, 60 votes. Donc, ça veut dire que la population fait travail pas là. Et je pense que c'est l'autorité qui fait travail pas là. Maintenant, le sénateur Dumont qui pose un paquet de belles questions, qui m'a des réponses. Il y a des questions là, je pense que j'en suis dit la présidente, je ne peux pas tourner sur eux parce que pour moi-même, il faut que moi j'ai un peu de respect pour misère et douleur ti machin ça pour moi connaître que Sénat a l'autre possibilité pour poser toute l'autre question tout parce que séance de questionnement c'est chaque mercredi c'est pas un seul mercredi donc on l'autre question qui pas concerne ça on pense que nous ca souffrir pour nous poser pour nous rester dans le sujet du jour qui c'est incendie criminel là moi pour encadrement PNH là en même temps que m'a posé question. Moi, je suis très limité par le fait que je connais que l'autorité liée par le secret de l'instruction pas capable à brouiller pis puis à bailler qui ça au cœur gain. Moi, très limité, moi comprendre ça. Mais pour encadrer la police là, parce que effectivement, si la police là vient plus efficace, la baille plus bon service. Avant de poser question, madame le directeur a dit nous clairement qui rapport gain de agents municipaux que en pile fois certains magistrats dit a fait police municipale inconstitutionnellement qui rapport gagne avec eux parce que nous connaît édifice ça on a supposé sous contrôle marché qui rapport gagne pour nous connaître qui ça gagne est-ce que pas gagne monde yo même qui baille sécurité dans marché a et ministre intérieur a tous ces questions partout comment marché organisé parce que moi connais un directeur de marché c'est sous compte mairie allié parce que c'est dans différentes autorités ça pour nous connaître pour nous savoir qui côté le bas blesse qui côté gon monde qui pas de faire travail parle qui pas de responsabilité parle qui fait que vinn gagne on veine qui ouverte qui capable faciliter que boulon marché son bagage un exercice facile à faire j'ai l'impression de pour gagne 5 ans capable parce que il pas gagne monde cap veiller ça alors que pour moi même quand de dit marché gagne directeur la mairie toujours elle passer prend 4 bail monde place pour l'argent. Ouais, mon Dieu, pas venir chita comme ça, mais il y a un cop que le point. Donc,
m'ta remet autorité au ministère intérieur et police là rapport par avec mairie sur question sécurité là comment marché organisé ministère intérieur pour nous connaître qui côté parce que si nous fonçons en jodia en tant que contrôleur nous pas contre toute bagaille mais nous besoin connaître que les différentes autorités qui placé dans pays là qui travaille à faire population population qui chita côté la garder là il pas capable nous pour poser nos questions nous même nous gain possibilité pour nous reler nous pour nous connaître qui est-ce dans l'autorité ça ou qui t'est manqué, soit par négligence, mauvaise foi, incompétence, qui permettent que ça puisse arriver? Motion. Évidemment. Motion. Motion accordée. Dans la question que le sénateur Augustin a posée là, il y a une réponse, c'est synergie qui n'a pas gagné dans une ville de Koukou, ce Port-au-Prince, entre Mérian, donc le maire, et les autorités les plus élevées du pouvoir exécutif. Autrement dit, le gouvernement, donc des pouvoirs de l'État en général, mais autrement dit, le gouvernement représenté par le Premier ministre et le Président de la République. Ma préférée, nous, à la bataille entre René Préval et Jason, qui était maire de Port-au-Prince, Jason prend décision pour mettre l'ordre beau cathédrale là. Le lendemain, René Préval va passer l'ordre des autres là recommencer. Si nous besoin pays à marcher, il faut qu'on synergie entre président de la République et un monde qui est maire Port-au-Prince, maire Chevry, pour c'est pas goumer goumer contre lui, pour lui même tout c'est pas goumer goumer contre président. Si moun a bien agi comme maire, c'est normal que le gon a qui politique. C'est normal, c'est son fait qui bon. Qui fait qu'on gagne plus l'argent à la banque. L'on fait ça pas bon, ou perd du l'argent à la banque. C'est ça que je t'ai dit. Merci, sénateur Augustin. Merci. Donc, et là, c'était la première question. Deuxième remarque que je fais, qui part en question, c'est sur ça qui paraît préoccupation, tout sénateur là, je dis à efficacité de la police, parce qu'on a parlé de sécurité. Et pour le monde qui a suivi le débat, je dis à nous remarquer que il y a des questions que je suis capable de poser sur comment on a encadré. Si machin, yo même pense que nous avons l'autre séance avec l'autre commission qui l'a pour ça, ministre des Affaires sociales, ministre Finances, ministre Commerce, ONA, CAS. Donc, nous avons l'autre rencontre, nous faisons effort de rigueur méthodologique. Je ne vais pas poser question ça, je me concentrer sur l'aspect sécurité, qui était objectif rencontre aujourd'hui. Pour question sécurité, moi j'entendais en pile parler. Et ce n'est pas pour la première fois que le sénateur Dumont fait remarque là et toujours courir tout dans le débat que même l'on a fait budget, nous avons l'impression que les organisations autonomes, avec moins de 600 combien millions de goudes, les visiblement pas assez véritablement comme rentrée. Ce qui fait quoi que véritablement, il faut que nous avons fait enquête pour nous garder est-ce que véritablement. Institution ça, ce n'est pas valer l'argent au lieu que c'est servir ou servir la population véritablement. Autrement dit, c'est de voir nous en tant que sénateurs pour nous commencer à reposer des questions et au plus haut niveau de l'État également, du côté de l'exécutif, le Premier ministre, pour nous dire ça et peut-être voir dans quelle mesure nous pouvons enclencher des réformes législatives, institutionnelles pour corriger la situation ça. Parce que véritablement, parce que l'organisation autonome, c'est vrai que il faut qu'on fait pour commencer à changer. Mais dans la perception, son boîte, il y a un monde. Son boîte, il y a. Président. Deuxième et dernière motion. Au sénateur Cantalon. Il n'y a pas de parler encore? Non. Président. Sur le sénateur Kéta. Oui. Président, nous sommes des sénateurs de la République. Et nous avons été élus par le peuple pour faire le travail du peuple. Nous n'avons pas à nous plaindre de ce qui a passé au niveau de l'organisation autonome. Donc, pour nous corriger ça, l'exemple important aujourd'hui à la séance là, moi, son séance de plainte que lié de complainte. Et à plein, vous la plainte, c'est pas complainte, vous la problème. Nous là pour contrôler et nous là pour faire corriger. Et dans ce sens-là, moi, je dis que. S'il est vrai que gagner des salaires faramineux au niveau de l'organisation autonome,
c'est nous comme sénateurs pour convoquer ministre pour accompagner le directeur général Zayo pour que nous même qu'on y a là, nous venons avec données, nous cherchons données tout et pour nous corriger ça pour corriger. C'est pas plein pour la plaindre, c'est pas complaint pour la complaindre. Nous devons plus préciser. Très bien, sénateur. Merci. La commission une. Mais très bien. Mais c'est... Écoutez, sénateur, sénatrice, je suis membre de la commission également et j'ai la parole. Ok. Très bien. Il faut respecter l'autorité. Oui, président, au mieux. En fait, sous l'intervention sénateur Cantave, là, nous devons faire un travail de contrôle. Et Jean Carwell, je ne sais pas si un sénateur qui a besoin de nuit pour voir. Sénateur, voulait faire travail li et me pense si chaque n'a fait travail yo nous a bien moins problème dans 5 10 ans pour Petro Caribé pas réédité encore li important sous ça sénateur quand t'as dit pour non mercredi prochain pour nous garder comment TK gagne une séance de travail sur ça avec ministre et directeur généraux des organismes pour nous connaître la question salaire, comment ça y est, comment y a géré les boîtes, qui est-ce qui met. Tu vas avoir pile des autres. Mais comment vous allez à l'aéroport, là, président? Je dis, tout le bagage, il est séparé, il y a des gens qui ont des chariots, il y a des chariots, il y a des chariots, il y a des sécurités, il y a des gens qui ont des ventes. Et chaque nègre prend un bagage et puis il y a des râles, mon bœuf là. Il y a des râles, au moins. On fait un effort pour nous mettre. Regardez, frère, vous avez passé? Non, je dis, président, en deux époques là et au exemple, chaque monde a pris un long bagaille. On nous mettait, on compte bien pour qui est lié par une majorité. On compte pour qui est lié. Vous comprenez? On connaît bien pour qui est lié. Non, Il connaît bien pour qui est lié. Président. Chariot, c'est un monde qui prend. Négatif. Président. Président, on connaît qui est lié. C'est un collègue qui est lié. Raison plus pour nous connaître comment on partageait organisme autonome ça yo. Très bien. Tout le monde connaît. Mais quoi si je veux, tout le monde connaît. Qui est signé? S'il vous plaît. Vous voyez l'importance de la question. S'il vous plaît. Non, de toute façon, non. Voilà. Non, bien content. S'il vous plaît. Question, Mme Dubourg, s'il vous plaît. Attendez, une seconde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand même, hein. S'il vous plaît, sénateur, membre du bureau, s'il vous plaît. Nous avons deux remarques importantes. Nous profiter du moment ça pour moi faire pour nous rappeler à sénateur Sénatus que jeudi à nous avons pour nous rencontrer le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture sous question grippe aviaire qui déjà a fait un pile dégâts en République dominicaine. Moi estimé que un sujet comme ça est extrêmement important pour ne pas mettre en péril notre cheptel au vin. Ici, pas bon ici. Ça, c'est mon premier remarque. Deuxième remarque, là, on prend acte de ça que le président Sénatus dit.
pour me rappeler au sénateur Kedler, c'est président, c'est lui-même qui est chef, il faut gagner respect au président. Alors nous prenons acte pour ça. Nous prenons acte. Merci beaucoup. Nous permettre que le sénateur Sénatus poursuive avec intervention. Président, un mot, président. Oui, président. Un mot, président. Tout à l'heure. Président, un mot, président. Allez, allez-y. Il y a le sénateur et Foucan, qui est le président de la commission de la DPDC. Je suis le vice-président. Et il a des informations pertinentes sur des questions brûlantes. Nous avons mis que nous baillons. Président commission TPTC, la possibilité pour que, à partir de l'intervention que le sénateur Sénatus a fait, pour porter certaines lumières sur certaines informations. Président, pour porter certaines lumières et certaines informations sur la question chariot. Président, s'il vous plaît. Le peuple a besoin de la population. S'il vous plaît, sénateur Cantave. Merci, merci beaucoup, sénateur Cantave. Non, prend connaissance de tout ça qui dit là. Et en temps et lieu, le Sénat, souverainement en assemblée, doit décider pour prendre telle disposition que de droit. Dans l'intervalle, on a continué avec le sujet qui est en débat. Président, plus d'informations, président. Merci. Donc on est mort. Président, tu en auras en temps et lieu. Tu en auras en temps et lieu, c'est promis. La parole maintenant au sénateur Sénatus, et pas Sénatus, au sénateur Kedler. Merci, président, c'est une très bonne décision. Nous pensons que faut que nous quimbons qu'à place au objectif là qui c'est. Qui sa autorité a été fait pour permettre que la sécurité en dans le marché et dans tout le pays et qui sa a pas le fait, Jean Sénateur, Sénateur Sotil là, pour empêcher que l'autre marché boule encore. Tout à l'heure, on était dans un développement assez intéressant. Côté que je parlé de l'encadrement de la police. Vous remarquez que le président le m'a posé question à la CSPN, je m'a joué rôle non véritable séparation des pouvoirs, côté que le peuple a donné un mandat, de voir par nous, c'est venir parler dans nous poser des questions que nous pensons qui est utile, qui est capable de permettre que l'autorité prenne responsabilité. Mais ça n'a pas empêché que dans un élan de collaboration des pouvoirs, que même Montesquieu ça a été parlé, que je vais faire quelques remarques, quelques réflexions, qui tenaient compte de presque préoccupations générales, tout le monde là. Nous connaissons par exemple, Premier ministre, au niveau des organismes autonomes, nous prenons par exemple ONA. Nous entendons que Fatma est campé parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de service. Et nous connaissons qu'il y a des obligations légales pour par exemple catégorie enseignants, directeurs d'école, pour payer pour tout professeur et toucher automatiquement pour payer. Le problème là, c'est que le plus souvent, pile directeur de l'école papé, on a un manque à gagner. Et on a parlé d'encadrement des policiers qui sont catégorie très importante dans le domaine de sécurité. On a parlé des professeurs qui n'ont pas d'assistance sociale. À chaque fois, nous pensons que c'est l'autre loi pour nous faire, pendant que nous n'avons jamais augmenté les recettes là. Et puis, on a fait l'autre loi pour nous dire bye, alors que l'assiette fiscale pays n'a pas jamais augmenté. Alors que nous avons l'autre qui te prévoit déjà par la loi, par manque, par mauvaise gouvernance, nous ne pouvons pas rentrer. Et je pense que c'est l'occasion, je dis, que nous devons partager avec nous l'identification source de revenus qui est capable de permettre nous jouer une COP pour nous porter support à la police avec proviseur. Que l'administration de l'État est efficace, que nous prenons responsabilité nous avec courage, parce que je dis, il y a un pile directeur de l'école, nous avons inventé qui quantité de professeurs qui travaillent dans le pays. Font statistique pour combien qui paye ça la loi, te dit véritablement. On ne sait pas qui paye, c'est le directeur qui doit payer qui ne paye pas. Alors qu'il y a un pile dans eux, il touche. Moi, ça ne va pas parler, je ne vais pas parler comme ça. Je fais enquête, je connais quelques noms de l'école seulement. Je connais quelques noms de l'école seulement qui toujours, directeur toujours pour responsabilité ça. Mais la plupart ne prennent pas. Donc, moi, je pense que le Premier ministre, nous avons maintenant même effort que nous avons fait dans la bataille contre la corruption pour nous jouer un chèque zombie, plus de 50 millions de goudio. Nous entrons ça à tout. Pour qu'on synergie entre le ministère de l'Éducation nationale et ONA qui force le directeur à payer comme il doit payer. Il prend lui. En plus, il faut dire qu'il n'y a pas le meilleur papa. Il y a un qui prend le professeur. Ce n'est pas le professeur qui paye, mais qui paye. Nous avons souhaité
ça a son source l'argent. Si je regarde la quantité de professeurs qui sont dans le pays, qui quantité de corps en plus que nous sommes capables d'entrer et qui sont capables de venir pour renforcer la sécurité pour combler le déficit. Oui. Pour renforcer le déficit de ça. Et dans ce sens, même Jean Sénateur, Sénateur Sotil là, moi pense que dans la séance de contrôle du président, il faut que nous inscrivions tout possibilité pour nous faire appel à ministre des Finances, ministre de l'Éducation nationale, ministre des Affaires sociales, qui vient avec Onatou, pour garder comment ensemble. Et pendant que je dis ça, je crois que je vais essayer de parler ensemble avec eux. Déjà, je vais parler à titre personnel en tant que sénateur, et que je pense que grand pile d'informations capable de faire pour une synergie qui dégage, qui permet que l'État rentre l'argent, ça qui est prévu par la loi, mais qui souvent, 85% pas rentrer là-dedans, véritablement, et que l'argent, ça est capable d'améliorer la performance de la police, tu es capable de permettre que nous venions en renforcement des professeurs qui ont mal cité, qui n'ont pas de moyens, qui ont crédit, qui ont crédit, puis ont fait caille, puis ont fait tout ça à nous dire. Nous avons souhaité que le président mette ça dans la séance pour nous. Dernière question que m'a posée, président. La question, c'est donc, nous déposons une première question déjà. Dernière, c'est rapport MJSP avec PNH, avec commissaire gouvernement, avec PM. Moi, c'est pas en question. Moi, j'étais venu sur question ça. C'est parce que de ça n'a pas parlé là, qui c'est sécurité, toute autorité ça a impliqué pour ta permettre que pays a une bonne sécurité. Je dis à moi quoi que sénateur Patrice Dumont saute un peu scandalisé par l'intervention du premier ministre sur annonce que ministre justice n'a pas là. Mais il est un fait certain aujourd'hui, monsieur le président du CSPN. Le pays a constaté que le ministre de la Justice n'est pas présent dans cette séance de questionnement au gouvernement. Et ça n'est pas capable de passer sous silence. Quel que soit l'effort d'explication que vous êtes capable de faire pour expliquer, monsieur le Premier ministre, nous t'avons rencontré déjà. Nous passons savoir que moi-même personnellement, dans la séance, nous t'avons fait ouais, que Gélégon mal donne entre la police avec la justice. Et Jean-Sénateur, Sénateur Sodil, et c'est sur toutes les lèvres également, tu as un problème entre la justice avec le commissaire gouvernement. Donc, ça veut dire quelque part, nous ne pouvons pas casser, faire couvrir ça, nous ne pouvons pas cacher rien. Quelque part, au niveau de la structure sécuritaire du pays, tu as un problème fondamental. Et dernier fait spectaculaire qui t'a exprimé le problème, ça, c'est duel qui était gagné entre commissaire gouvernement avec ministre justice là. On dit qu'on est intervenu. Commissaire gouvernement, tu voulais démissionner en tant que chef de votre gouvernement. On est intervenu ou permettre que le rété. Maintenant, la question, l'irrité pour faire quoi? Est-ce que c'est pour continuer schisme, division, chire petit gagné même là? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour que finalement ces genres de problèmes pas refait encore, et avec qui d'état d'esprit population capable de continuer, capable de considérer décision commissaire gouvernement pour l'été dans le poste là? Est-ce pour continuer problème avec ministre justice là, ou bien au cabaye pays a garanti, comme c'est vous-même qui avez fait intervention, que plus que jamais au niveau du commandement du CSPN et des structures sécuritaires du pays, pas bien genre de problème ça encore? Merci. La parole est accordée au collègue Latortu. Merci, président de séance. Salut l'autre membre du bureau. Salut tous les collègues. Et je salue tous les membres de CSPN, premier ministre, ministre avec l'autre monde qui accompagne et commissaire gouvernement, directeur général de la police. Il y a un point qui portait dans le menu, hein, c'est la question du marché. Et je vais adresser directement à Premier ministre. Là. De 2004 à nos jours, Premier ministre, nous sommes environ 27 marchés, 27 incendies marchés dans la zone métropolitaine. Et chaque coup, du feu, ça arrivé, c'est même réaction.
2004, 2008, presque 14 ans, et pas gagné rien qui changeait. Le nous gagnons événement ça yo en général, soit mon accusé, soit y accusé gouvernement, y accusé opposition, et puis bah elle a arrêté là. Et ça qui fait là, c'est que classe moyenne là vient appauvrie. Deuxièmement, l'État dans l'intervention en général toujours dépensé dans bail ti machin prêt, dans une subvention, dans ranger au minimum 50 millions goud. Sous multiplier 25 par 50, ça fait environ 1 milliard 250 millions de goud. Et situation pas changé. Classe moyenne là vient puis appauvrie. D'ailleurs nous ouais PIB nous qui c'est 8 milliards de dollars depuis 2004, pas augmenté. Et population sorti environ de 9 millions, li passé à Saoudi environ 11 millions. Ça veut dire plus bouche pour manger, même quoi là nous gagne, parce que évidemment ça a li constitué un problème, côté nous pas jamais une solution. Je dis à nous vin là, nous vin peut-être dans 26e ou 27e marché qui boule, et législature ça, parlement ça, sénateur qui l'a yo. Nous voulons poser problème là pour nous résoudre li. Car il y a un pile parler qui fait. Nous, à travers ça, il y a abordé problème corruption, il y a abordé l'autre problème. Mais problème ça, il faut résoudre li. Qui ça nous gagne en plus? Sénat qui l'a, à Chambre députée, 50e législature, a voté une loi sous question sapeurs-pompiers l'année dernière. Et l'a publié. Donc ça veut dire que ça nous gagne en plus, nous gagne élément légal en plus. Et ça, élément yo dit dans loi ça, pour que l'exécutif la ka fait, et l'exécutif la fait, pour que nous ka gon amélioration. Dans loi ça, il dit pour tout bâtiment public yo, yo ka gagne au minimum de précaution, c'est-à-dire que faut gagne extincteur, marché public, tout l'autre bâtiment l'état yo. Loi li dit, faut nous remettre bouche d'incendie. Ça se dit pas. Et loi li mandé pour gagner un sapeur-pompier dans chaque commune. Déjà, nous avons un élément légal. Je dis à Premier ministre, question à poser, qui le n'a appliqué loi ça? Qui le n'a recommandé pour nous gagner extincteur dans tout bâtiment, dans marché? Qui le pour nous gagner sapeur-pompier dans commune? Et qui le bouche d'incendie que nous gagnons? Nous allons gagner et nous renforcer. Ça veut dire que jeudi à nous, mois de février, qui nous a appliqué la loi pour que nous avancions, puisque jeudi à nous pas besoin d'arriver à 28e, 29e, nous plein. Laissez nous tout à l'aide et les garder nous comme autorité. Il a dit encore ses promesses et nous pas prendre au sérieux. Donc, Premier ministre, pour que nous arrivions à résoudre le problème, là, ça c'est la première étape. Là. Mais, gagner une deuxième étape. C'est vrai, chaque coup, il y a un cas de force majeure qui arrive. Chaque coup, il y a un cas de désastre naturel qui arrive. L'État qui a intervenu. Mais il y a un bagaille que nous avons mis sous pied, qui a assuré machin, qui a permis que nous vivions et yo développer quand tout le monde fait business dans tout le pays, c'est question assurance. Mais pas que aucune assurance qui a mette, aucun privé qui a venu mettre assurance, sous pas au minimum de protection, de sécurité, de lutte contre les incendies. Faut gagner. Ça veut dire que faut nous mettre première étape là et encourager soit investisseurs, soit entreprises autonomes, assurer Machanio, même si c'est Banque Centrale qui te kabay un fonds de contrepartie pour que moun se rassure, le que yo te gagne 1 million de goud, 2 millions de goud qui rentre dans le business et que si gon problème, yo ka bayo 90-95% de yo. Si aide ou pal bay la, 50 000 goud, 100 000 goud, li pa permettre que moun na reprenne ni et moun na vin pi pauvre de jour en jour. Donc je dis a gen deux bagaille pour nous garder qui le n'a mettre infrastructure et à partir d'infrastructure comment
n'apka justement arriver dans la question assurance là. Et là, l'État pour intervenir le Gekazayo, c'est une intervention d'urgence qui pour permettre que moun nan reprenne ni rapide, qui pour permettre li manger, puisque tout bail li kaboulé, mettra zouli, et une semaine après, assurance là intervenu, li jouen kobli et le recommence. C'est pour aborder problème là, en Sénat, en Parlement, et que nous dit, à partir de jeudi, à mois de février, avant septembre, n'a privé, n'a fait yo, et puis moun yo après que nous-mêmes, justement, nous gen wòl. Deuxième bagaille, t'as aimé noter, deuxième bagaille, c'est CSPN qui l'a et m'a adressé directement à directeur général de la police. Directeur général là connaît que moi-même moi t'étais dans la police, moi t'étais arrivé commissaire divisionnaire. Moi aimé institution ça en pile. Moi t'étais dans l'armée, moi t'étais arrivé premier lieutenant. Et nous connaît j'ai institution fonctionner. Ça veut dire l'on la donne son question de servitude, son question de rectitude et son question tout de discipline, de hiérarchie. Moi senti et m'a posé aux questions directeur général de la police, est-ce qu'on pas senti en pile de événements qui arrivaient que autorité morale la police là affectée? Est-ce qu'on senti ça? Et sous senti ça qui décision pour prendre? Parce que faut la police là capable de faire respecter la loi et l'ordre sous toute étendue du territoire république là. Merci en pile. Je me souhaite que j'ai une réponse. Merci. Sénateur Kado. Ex-membre de la commission. Merci beaucoup, président. Sénateur, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé, Pébouchou. Ok. Merci beaucoup, président. Moi, saluer membre CSPN qui là. Et ça fait longtemps que nous avons débattu là. Moi-même, je m'ai essayé très direct dans l'intervention. Sénateur Yuri Sodili là, ça fait énième fois que marché incendié dans le pays. Concrètement, qui implication mairie dans la gestion du marché public? Là, je voulais parler de sécurité dans le marché et dans l'environnement marché. CSPN, non, c'est une institution, un organe qui, en réalité, a une mission nationale. Action faite là, c'est une action ponctuelle qui regarde une commune dans un département. Moi, je sens vraiment mal à l'aise si je parle de marché Hippolyte, avec deuxième marché que tu es boulé là, pour inviter Premier ministre, ministre intérieur, directeur police. Moi-même, penser de façon opérationnelle, faut que nous t'allons garder avec d'abord le commissaire gouvernement qui l'a, directeur départemental police l'Ouest là, délégué départemental là, et enfin magistrat qui concerné. Pour qui ça me dit ça? Parce que nous ne sommes pas capables à chaque fois prend plaisir inviter CSPN dans là pour de bagages qui regardent section communale, qui regardent en commune, quelque part, il y a une autorité constituée qui est là pour faire du job. C'est ça que fait moi-même. Je souhaite une prochaine occasion,
moun sa yo comme sot cité là nal gade ki responsabilité yo nan gestion commune nan nan gestion marché yo. Entendez en pile nouvelle yo parler de possibilité pour que CAS ONA dégager de fonds qui pour aider machin yo. Même ta même poser premier ministre en question. Puisque on s'est dit que dans un premier temps a gain de dons et après nous pour aller vers prêt. Premier ministre, don ça qu'on pourra le faire machin yo. Puisque nous pas prévoir incident ça va pas le passé directement ou bien concrètement qui bon fond ça va pas le sortir. S'il vous plaît, s'il a sollicité la parole, sollicitez la parole. Mais c'est moi-même qui a parlé. Mgonza. Premier ministre, ministre intérieur, DG police, nous toutes, nous tendez semaine ça. Miragwa n'a pas actualité. Parce que il y a un fait inédit qui arrive dans la commune non? De paisibles citoyens qui la caillou bandit rentré li assassiné une et un petit monde 6 ans prend balle. Mais ça donne la question, c'est que en pile professionnel violence, il est saisi l'opportunité pour faire parler en pile la question. Donc, il y a une exploitation politique qui a fait de l'incident. Je dis en même sous prétexte que il y a deux plaintes qui prennent le poté dans le parquet. Tribunal première instance de Miragouane. Il y a de mon intéressé qui montait tête char, prend la rue, fait manifestation. En pile diversion en fait. En pile, on a exploité la situation pour régler l'affaire. Il y a même lié la question Petro-Caribe qui n'a pas rien pour ça. Alors que mon cap parlé de Petro-Caribe, c'est eux-mêmes qui t'a doué fermer en de prison. Sous base à PM, DG, nous avons souhaité que nous renforcions la police dans le département de Niplan pour que incessamment lumière faite sous question ça. Parce que comme on était dit nous, il y a un pile de monde qui a exploité la situation pour mettre Miragouane en effervescence. Et pas seulement Miragouane, pour mettre le Grand Sud en effervescence. M'a posé directeur général police en question. Par rapport à tout ça qu'a fait dans la question de marché, est-ce qu'on peut penser que l'important pour que la municipalité ait une force de police par eux? Et pour me finir, nous prenons une habitude pour nous inviter de instance chaque mercredi, bon ici. C'est un exercice très intéressant et même important. Même pensée, Monsieur le Président, il faut que chaque fois que nous faisons exercice ça, nous-mêmes sénateurs, avec organes que nous évitons là, nous entendons nous sommes ensemble de décisions
pour nous capables d'assurer suivi toutes décisions que nous prenons là. Et dans ce sens, moi proposé. Après-midi, là, avant de quitter la séance là, sous tout ça que dit là, nous prenons deux ou trois grandes décisions à ce moment-là. Commission justice dans lui-même a veillé à ce que la décision soit appliquée. Nous mettons une date sous l'eau, nous dit telle décision, qui date, qui moun a une responsabilité pour le faire suivre ça. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. La parole aux membres du CSPN. Parole aux membres du CSPN. Oui. Merci, honorable président. Donc, je vais répondre tout à tout à l'intervention des trois honorables sénateurs, à savoir les sénateurs Kedler, Augustin, Yuri Latortue et le sénateur Cadeau, Denis Cadeau. En ce qui concerne le sénateur Kedler Augustin, et après des considérations générales que nous-mêmes nous prenons note de toutes considérations générales, il était parlé de Ofatma, quand elle te dit pas de service, surtout pour les policiers, mais malheureusement, Dipatla était intervenu avant. Et nous te dit dans le cadre d'encadrement policier, nous avons actuellement l'hôpital de police qui va l'inaugurer très prochainement. Il y a des travaux additionnels que nous avons pour le café au niveau de l'hôpital qui est situé à bon repos. Côté que, au niveau de budget, nous débloquons environ 2 millions de dollars. Monsieur le Président. Allez-y, sénateur. Premier ministre, ce n'est pas de ça que je me parle, non? Moi, j'ai fait un rappel de l'événement qui était passé dans le pays, côté communauté a fait manifestation, parce que j'ai dit, yo assuré, après comme sur eux, et puis les malades, yo pas qu'à un service dans le Fatma. Et pendant que j'ai fait appel ça pour me dire la situation policière, moi, j'ai dit au conseil que, moi, j'ai chita ensemble avec le directeur ONA, balak ministre de l'Éducation nationale, côté que je connais selon la loi. Chaque professeur d'école a un cob pour le bail, un prélèvement, il fait ce cob pour le bail pour l'entrée dans le fouillé qu'est l'ENA. Moi, je dis que moins que 5% de l'école dans le pays. Pour Port-au-Prince, il y a peut-être 10 l'école qui baille. Et il fait qu'on est que, il baille, mais c'est le directeur qui n'a pas fait versement pour lui. Il a besoin de dire. Comme si on fait versement ça, ça a été servi pour renforcer la police et améliorer les conditions de vie professeur de l'école, dans le crédit, pour être capable de faire caille, acheter l'autre qualité de bagaille. Je demande qui mesure ou va prendre pour permettre que l'agence a rentré effectivement et que le cas aller dans le sens que je vais lire véritablement. C'est ça que je devrais connaître. Très bien. En ce qui concerne prélèvement qui fait au niveau de l'ONA au Fatma, donc tu as une petite confusion dans, justement, tu as une petite confusion dans la compréhension par moi. Donc, comme n'a parlé, comme c'est de la police, tu as parlé, donc je prends note, ben, si c'était en rapport avec la police. Effectivement, tout employé, quel que soit employé dans le secteur privé, que c'est l'école, ou bien si son business, son magasin, ou supposé payer l'ONA, par exemple 6%, c'est employeur qui baille, 6%, c'est et patron qui baille, employeur là. Au Fatma, ou supposé payer au Fatma tout. Kounia, nous même au niveau de l'État, nous allons encourager l'institution ça pour augmenter la pression. Parce que les augmenter la pression, je suis sûr que mon yop marché. Par exemple, moi-même, moi j'étais directeur de l'hôpital. J'étais directeur de l'hôpital. Le inspecteur vient de bon côté. Il râle la loi. Il dit que ça ne l'a pas payé. C'est emprisonnement que lié. Et là, ça, nous-mêmes,
comme c'est ton héritage, nous t'es jeune dans l'institution, ça comme t'as dirigé, nous payer pour tout employé honnête. Donc c'est pour me dire que faut pression augmenter, n'est-ce pas vrai, au niveau de ces institutions, et nous allons encourager pour augmenter pression, hein, parce que la loi Bayo aussi pour augmenter pression en tout. Par exemple, un directeur d'école qui n'est pas payé, ou bien un directeur de factory qui n'est pas payé pour employer, l'État baille les outils pour. Deuxième et dernière motion, oui. Au sénateur Bélizer. Oui, moi salue le président, moi salue le premier ministre avec l'équipe. Question particulière, côté des fois, il y a quelques directions l'école. Qui peuvent les payer ONA ou bien au FATMA. Généralement, on a souligné pour le Premier ministre, c'est parce que même pour eux, des fois, ils sont réticents pour pas les payer parce qu'ils disent qu'ils ont même tout. Les payer, des fois, si ils ont ONA, ils ne sont pas question qui parle de transparence là-dedans, ils ne sont pas qu'un avantage. Et même si ils ont besoin de prêter, ils ne sont pas qu'un prêter dans ONA. Moi, je pense que dans ce sens-là, il faut qu'il y ait une grosse sensibilisation qui fait de bon côté, même professeur dans l'école ça, pour que, des fois, c'est une grosse bataille que la direction de l'école fait avec professeur ça, ou bien employé pour accepter rentrer dans l'ONA. Donc, je dis, collègue, là, ça, des fois, ce n'est pas faute, c'est la façon que y a géré l'institution